De retour aux affaires. Le pape François a fait une belle frayeur à ses fidèles ce 29 mars 2023. Hospitalisé suite à une mauvaise bronchite, le souverain pontife a dû être placé en observation quelques jours. Plus de peur que de mal pour François qui sera en forme pour la messe de Pâques. Il devra se ménager pour pouvoir assurer toutes ses obligations comme en septembre prochain puisqu'il sera à l'honneur à Marseille en France et peut-être même au stade Vélodrome, comme le révèle la Provence ce 2 avril 2023. Une messe en public devrait être prononcée par le pape le 23 septembre prochain et cette enceinte marseillaise semble être le meilleur choix selon le quotidien. Une décision qui permettrait à cette visite de gagner en popularité. Seul problème, la logistique. La Coupe du monde de rugby pourrait bien court-circuiter ce projet au vu des matchs qui seront joués au Vélodrome à la même période. Un retour attendu après avoir été hospitalisé cette semaine, le pape François a hâte de retrouver ses fonctions. Séjournant dans l'appartement privé réservé au pape, situé au 10e étage d'un établissement hospitalier romain, il a pu faire une surprise à des enfants malades mais il a également partagé un repas avec les personnels mobilisés à ses côtés. Le pape François a dîné, en mangeant de la pizza en compagnie de ceux qui l'entourent en séjour d'hospitalisation, médecins, infirmiers, assistants et personnel de la gendarmerie, avait ainsi précisé, ce jeudi 30 mars, le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. De retour dans la cité papale ce samedi 1er avril, Rory Bergoglio devrait pouvoir présider, depuis la place Saint-Pierre, la messe du dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte. Crédit photo, Bakegri du Quai.